Jérôme. J'ai jamais rencontré un garçon qui me plaise autant que toi. Ah bon? Mmh. Toi, t'es une fille super. C'est dommage que tes copains ne m'aiment pas. Qu'est-ce que tu racontes? Joël et Luc t'adorent. Oui, eux peut-être. Mais Annette et Virginie... Ouais, mais ça, c'est des jalousies de filles, ça. Oui. T'étais vraiment fiancée avec cette Justine? Justine, non, non, c'était juste une copine comme ça. Mmh. Mmh. Mais les deux autres ne veulent pas le comprendre, c'est ça? Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je vais leur en parler. Tu m'embrasses encore? Oui, mais là, elles vont peut-être pas tarder à arriver, alors... Bon. Eh ben, on peut aller chez toi, si tu veux. Mmh. Oui, mais non. Non, parce que Annette a sûrement passé quelqu'un là-bas. On sera pas plus tranquille qu'ici. Eh ben, on pourrait aller au cinéma. C'est sympa pour s'embrasser, non? Mmh. Ouais. Mmh. En faisant bien attention que personne nous suit. Ouais. Avec toi, j'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage. Mmh, ça va se calmer, tout ça, je te promets. De toute façon, je m'en fiche. C'est toi que j'aime. Si t'arrives. C'est Odile. Mais qu'est-ce qu'elle a, Odile? Bah, j'ai pas tellement envie de la voir aujourd'hui. Bah, pourquoi? Je crois que c'est l'amour fou. Bah, pour elle peut-être, mais moi... moi, j'en peux plus. Tu comprends? Elle me colle tout le temps. Moi, j'ai besoin d'air. Moi, j'ai besoin de respirer. Et puis, je suis trop jeune pour rester en permanence avec une fille. Ouais, évidemment. Et puis, je peux pas faire trois pas sans qu'elle soit là derrière moi. Je connais un peu ça en ce moment aussi. Ouais, mais j'ai pas envie de la voir aujourd'hui. Ah, bah, je crois que c'est raté. Viens, Bernard. Mais je te cherchais partout. Je croyais qu'on devait s'attendre à la sortie du lycée. Ah bon? Mais je croyais qu'on avait rendez-vous ici. Ah non? Ah, oh, c'est fou ce que tu les distrais. C'est pas grave. Bon, eh ben, on va y aller. Hein. Ah ben non, mais c'est pas sympa, on se voit jamais. Allez, on va se boire un petit coup aujourd'hui. Oh, oui. Hein. C'est ma tournée. Bon, bah écoute, ouais, si tu veux, mais alors 10 minutes, hein, parce que nous, la séance commence bientôt. D'accord. Ils sont là, et Bernard et Odile sont avec eux. Tu vois, c'est pas la peine de se dépêcher comme ça. Oh non, mais il vaut mieux prévoir, tu vois. Mm. Tu viens? Mais Annette, t'es sûre qu'il faut... Oui! Ah, salut! Salut! Bonjour, salut! On avait peur de vous rater, alors on s'est dépêché, hein. Ouais, bah écoutez, ça tombe bien, on partait. Pardon. Mais vous allez où, là? Mais ma petite Annette, ça te regarde pas, hein? Bon, eh ben écoutez, nous on va être en retard. Alors, à bientôt. Salut! On vous laisse avec Bernard et Odile. Bonne journée. Salut. Mais... Bon, bah tu vois, une fois de plus, c'est encore raté. Non mais, c'est carrément raté. Eux, ils sont en moto. Et nous, à pied, on peut même pas les retrouver. Il est rattrapé. Oh là là. Et les garçons qui sont jamais là quand on a besoin d'eux. Enfin, c'est mes parents, et ben ils savent pas quoi m'offrir à Noël. Je leur montrerai un scooter. Virginie. Viens avec moi, faut qu'on les rattrape. Mais Annette... Mais viens, je te dis. Oh, écoute... Bernard, c'est super. On est enfin seuls tous les deux. Oui. Bon, t'es contente, y a personne. Ben non, j'aurais préféré qu'ils soient là. Au moins, ça m'éviterait de les chercher partout. Ça t'a pas suffi, ce qu'on a fait tout à l'heure? Non. T'es vraiment gonflée, Annette, hein. Bah, pourquoi? Et tu me demandes pourquoi, en plus? Bah, oui, moi, je trouve ça normal. Ah bon? Alors, on va frapper chez les gens pour leur demander de regarder par leur balcon ce qui se passe chez Jérôme, et tu trouves ça normal? Oui, enfin, c'est un cas d'urgence, là. Mais enfin, en attendant, on a dérangé tout l'immeuble. Ouais, je sais. Mais bon, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps pour trouver le bon appartement, mais je l'ai trouvé, c'est ça le principal. On avait l'air ridicule parce que les gens, ils ont pas cru une seconde cette histoire de prof de travaux pratiques. Non, ils m'ont pas cru. Mais le résultat, c'est qu'ils m'ont laissé regarder. Ah oui, bah justement, parlons-en. Parce que qu'est-ce que t'as regardé exactement? Rien du tout, parce que Jérôme a fermé ses volets parce qu'il savait très bien qu'on allait l'espionner. Écoute, Annette, quand est-ce que tu vas te décider à arrêter cette histoire de chasse à l'homme ridicule?
Quand je serai sûre qu'il ne fait rien avec cette fille. Ah bah ça peut durer encore longtemps alors, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on attend que Jérôme revienne. Il va bien passer par ici tôt ou tard. Oh non, écoute, Anna, ça suffit. Attends, moi j'en ai marre. De toute façon, on est obligé de l'attendre parce que j'ai donné rendez-vous à Joël ici. Parce que tu peux pas lui donner rendez-vous ailleurs à Joël? Mais non, Bernard doit venir apporter un micro et Joël doit l'installer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il doit t'apporter? Un micro. Quoi? Mais oui, un micro. Mais t'es complètement folle, Annette, hein? Oh, mais écoute, on va pas passer notre temps à surveiller Jérôme avec un talkie, c'est pas très pratique. Alors que si on place un petit micro chez lui, c'est beaucoup plus simple. Mais là, t'as déplacé vraiment les limites. Oh, mais écoute, c'est un tout petit micro de rien du tout. Et Joël, il a été d'accord pour te poser ce micro? C'est-à-dire que je lui en ai pas vraiment parlé. Ouais, bah mon ami refusera, tu vois. Oh, mais tu le connais, il peut rien me refuser. Attends, il y a quelqu'un qui monte, moi aussi, j'entendais pas. Vite, vite, QG. Lâcher mon bras. Mais oui, mais à chaque fois qu'on vient ici, j'ai peur que Jérôme arrive, c'est pour ça, c'est pas de ma faute. Viens. Bon, Bernard, est-ce que tu as le matériel? Oui, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il te faut. Alors, les pinces. Allez, vite. Eh ben, c'est super, on n'a plus qu'à attendre Joël. Virginie, je t'assure, c'est épuisant de leur courir après comme ça sans cesse. Mais enfin, en attendant, c'est pas toi qui as fait la courte échelle à Joël. Bah, c'est pas de ma faute si je suis si petite. Et puis, de toute façon, ça a servi à rien. Le micro, il marchait pas. Enfin, si t'avais pas marché dessus, il fonctionnerait le micro. Bah, si je l'avais pas marché dessus, pas de ma faute si je l'ai pas vu, il était par terre. De toute façon, tant mieux, parce que moi, ça me dérangeait vraiment d'espionner Jérôme dans cette situation. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse d'autre? C'était bien la seule solution. Ah bah non, il y en a une autre solution. On abandonne tout. Abandonner? Bah oui. Abandonner? Non mais, mais ça va pas. Et qu'est-ce qu'on dira à Justine quand elle rentrera? Bah je sais pas. Je sais pas. Salut tout le monde. Annette, Virginie, ça va? Justine? Mais c'est pas possible, c'est pas toi. Si, c'est moi. Ça vous fait pas plaisir de me voir? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis revenue. Bon, bah, faites pas cette tête-là, venez me faire un bisou. Oh, Justine, oh, comme je suis contente de te revoir. Si tu savais comme tu m'as manqué. Ah, toi aussi, tu m'as manqué. Alors, Virginie, ça va? Mais oui, ça va. Je suis vraiment contente de te revoir. Oh, et moi, alors? Et voilà, la surprise a bien fonctionné. Ça y est, t'as retrouvé Justine, Annette, alors? T'es contente? Mais oui, je suis contente. Mais comment ça se fait que tu sois là? Tu devais pas revenir avant moins de mois. Mais oui, mais l'école a été réquisitionnée pour faire passer des examens. Donc on avait une semaine de vacances forcées. Et Roger et Marie m'ont envoyé un billet d'avion. Mais c'est génial! Je suis sûre que c'est Monsieur Girard qui a envoyé le billet d'avion, non? Désolée, Annette, c'est moi. Oui, enfin, moi je me suis contentée de le payer. Eh ben, c'est le plus important. Je vois que rien n'a changé. Bah non, tu vois, rien n'a changé. Mais pourquoi vous nous avez rien dit? Bah ça, c'est moi qui ai insisté pour qu'il se taise. Je voulais absolument vous faire une surprise. Et tu penses bien que Roger aurait déjà vendu la mèche. Monsieur Girard. Oui? C'est pas très gentil de pas nous avoir prévenus, hein? Bah, tu sais, Annette, à deux contre moi, je pouvais rien faire. Hein. Bon, on réglera ça plus tard. Bon, ben vous devez avoir mille choses à vous dire, on va vous laisser. Mais merci, je... Marie. Oui, oui, on a eu votre âge avant vous, on le sait. Oui. Allez. Ah bon. Ça fait vraiment du bien de se retrouver chez soi, puis de retrouver ses amis. Et alors, ta petite sœur, comment tu la trouves? Chloé, oh, elle est magnifique. C'est vrai que elle est très bien. Moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Monsieur Girard. Ah, tu trouves? Ah ouais. En tout cas, elle est vraiment adorable. C'est vrai que c'est un super bébé, quoi. Bon, sauf quand elle pleure. Mais bon, il faut dire qu'elle pleure pas tellement, alors ça va. Et puis elle est tellement mignonne.
Ça, c'est vrai qu'elle est mignonne. Bon, Jérôme aussi, il est mignon. Et vous savez que lui non plus, il sait pas que je suis là. Oh, j'ai hâte de voir la tête qu'il va faire quand il va me voir. Ah oui. Ça va lui faire plaisir de te voir. Bon, allez, aussi. Bon, allez, laisse faire champion. Le champion de quoi? Des chevilles qui offrent. Attention, hein. Salut. Bernard, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu un fantôme? Non, j'ai couru pour semer Odile. Semer Odile? Oui. Odile et moi, c'est fini. Ah, c'est fini. Attends, comment ça a fini? Oui, je viens de prendre la décision. Je veux retrouver ma liberté. Elle le sait, au moins? Bah non, pas encore. Bah, je crois pas qu'il vaudrait mieux parler de tout ça avec elle plutôt que de fuir. Bah ouais, mais je peux pas lui dire en face. Et je pense que si je peux être odieux avec elle, elle va comprendre. Mais attention, la voilà. Quoi? Vite, vite, va. Ah, moi, je... Bonjour, salut. Vous n'auriez pas vu Bernard? Bernard, absolument. Pourquoi t'as dit qu'il serait là? Non, mais il est parti en courant, alors je me suis dit qu'il serait venu ici. Oh ben non, bah désolé, il est pas là. Regarde, hein, Constance, toi-même. Bon, bah, moi, je vais aller voir chez lui. Eh ben voilà. Hein? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais attendez. Les garçons. Décidément, vous êtes tous speed. Je... Reprends ton souffle. Qu'est-ce qui t'arrive? Justine est rentrée. Attends, quoi? Vous avez bien compris, Justine est rentrée. Enfin, depuis quand? Aujourd'hui, elle a voulu nous faire une surprise. Attends, mais... Elle est chez elle. Annette était avec elle. J'ai dit que j'avais quelque chose de très important à faire. Pour venir vous voir et vous prévenir. Eh ben, voilà, c'est fait. Calme-toi, allons... C'est très bien. Mais écoutez, garçon, vous vous rendez pas compte. Vous avez vu Jérôme? Oh, zut! J'avais pas pensé à ça. Mais elle va tout prix le voir. Mais qu'est-ce qu'on va lui raconter? Eh ben, il faut trouver quelque chose et très vite. Donc ouais. Réfléchir. Ah bah non, c'est pas la peine, voilà. Salut. Tu vas bien? Ça va? Ah, très bien, bah écoute, ça, ça... Tu nous fais une super surprise, là. Bah bon, oui, hein? Oui, oui. Ah ouais, c'est génial. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente d'être là. Vous m'avez manqué. Oh, tiens. Bah toi aussi, tu nous as manqué. Vous avez pas vu Jérôme, là? Jérôme! Eh ben non, c'est-à-dire que voilà, non, il devait aller faire des courses pour ses parents. Bah oui, voilà, hein, quand je l'ai dit. Hein? Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Je t'avais dit, je pensais bien qu'il serait pas là. Ouais, et vous savez quand est-ce qu'il doit rentrer à peu près? Ah bah non. Non, non. Non. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'a fichu un empoté pareil? Oh là là. Excuse-moi, Isa, mais c'est que tu marches trop vite pour moi, je peux pas, hein. Ouais, bah y a pas que ça que je fais trop vite pour toi. C'est pas vrai, une revenante! Bah oui, je suis désolée, Isa, mais je suis revenue. Mais dis donc, t'as l'air d'aller plutôt bien. Bah oui, pourquoi ça n'irait pas? Non, attends. Tes petites copines ne t'ont pas mis au courant? Bon, Isa. Mais enfin, mais... Mais Jérôme, t'as trouvé une remplaçante? Mais Justine, mais calme-toi! Bon, écoute, viens t'asseoir, viens. Mais comment tu veux que je me calme après ce que je viens d'apprendre? Mais écoute, tu vas pas croire cette vipère d'Isabelle. Tu sais très bien qu'elle raconte n'importe quoi. Vous m'avez menti, Jérôme est avec une autre fille. Mais non, mais... qu'est-ce que tu vas imaginer? Oh, tu la connais très bien, Isabelle. Tu sais qu'elle inventerait n'importe quoi pour faire du mal aux gens. Et comme ça fait très longtemps qu'elle t'a pas vue, eh ben, elle a mis le paquet. Bon, alors d'accord. Isabelle m'a menti. Et alors, vous pouvez me dire où est Jérôme? Eh ben... Luc et Joël te l'ont dit. Oui, il est parti faire une course pour ses parents. Eh ben, il en met du temps à faire cette course. Mais écoute, les garçons sont partis le chercher. T'inquiète pas, ils vont le retrouver. Mais oui, t'inquiète pas, tout va bien. Oui, bah, avoir ta tête, on dirait pas. Oh, écoute. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, écoute, je sais pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, rien. Tout va bien, monsieur Gérard, vous inquiétez pas. Non, enfin, Justine pleure et y a rien.
Non, mais... Bah, c'est... Ah, attends. Mais qu'est-ce que t'as, ma chérie? Oh, mais enfin, Justine, je croyais que t'étais heureuse d'être venue. Bah oui, très, mais... Mais quoi? C'est Jérôme. Oui, bah, qu'est-ce qu'il a? Il a pas eu d'accident? Non, non, il a pas eu d'accident. Tout va bien, ça va. Ah. Il aurait mieux fait de se casser une jambe. Bon, allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais rien, il a rien fait, mais c'est... Isabelle, elle lui a fait croire qu'il sortait avec une autre fille. Enfin, Justine, tu veux pas croire ce que dit cette fille? Tu sais très bien que Jérôme est incapable de faire ça. Tu crois? Mais oui. Qui pourrait faire de la peine à ma grande fille, hein? Oh, je sais où j'en suis. Allons bon. Ah, voilà maintenant que j'ai deux bébés. Tu veux faire concurrence à ta petite sœur, hein? Tu sais que elle a pratiquement le même timbre de voix que toi. C'est vrai? Ah oui, elle te ressemble beaucoup. Elle est aussi mignonne que toi. C'est gentil ce que tu me dis. Oui, c'est vrai, il a raison. C'est des fois quand j'essaye de téléphoner puis que j'arrive pas à t'avoir ou que je pense à toi, eh ben, je monte voir Chloé et puis je lui parle. Comme ça, j'ai un petit peu l'impression que c'est toi qui m'écoutes. La pauvre, parfois, Annette parle tellement qu'elle finit par s'endormir. Bah, c'est bien connu que les bébés ont besoin de dormir, non? Alors, ça va mieux, ma chérie? Quoi? Eh ben, je te demande si ça va mieux. Bon, c'est vrai, avec tout ça, j'avais complètement oublié Jérôme. Oh, il est reparti. Enfin, pleure pas, ma chérie. Oh. T'as pas vu Bernard? Ben non. Je comprends pas. Ben, qu'est-ce que tu comprends pas? J'ai cherché partout et j'arrive pas à le trouver. T'as essayé chez lui? Mais tu penses, c'est la première chose que j'ai faite. Bah, ben, peut-être qu'il a été collé. Non, j'ai déjà vérifié. Bah, ben, je sais pas. Peut-être qu'il est allé se promener avec Jérôme. Oui, peut-être. Mais je sais pas ce qu'il a été distant avec moi. Il est bizarre. Non, je sais pas, moi j'ai pas remarqué. Il n'arrête pas de regarder Géraldine. Et quand elle n'est pas là, il n'arrête pas de me parler d'elle. Non, tu te fais des idées. Mais non, je suis pas aveugle, je vois bien que cette fille l'intéresse. Mais non. Mais si. Il est bizarre. Il est distant, comme quand François a rencontré Svetlana, c'est pareil. Il m'aime plus, je le sens bien. Écoute, Odile, il faut pas dramatiser les choses. Ah, excuse-moi, mais il y a Jérôme qui arrive. Jérôme, il faut vite que tu viennes avec moi, c'est très important. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Annette? Jérôme, viens avec moi, je te dis. Mais pourquoi? Il faut que je te parle, viens avec moi. Bon, bah ça tombe bien, moi aussi il faut que je te parle. Bon, eh ben je vais m'asseoir. Oui, je te rejoins. Moi d'abord. Annette, toi et Virginie, vous allez arrêter de nous suivre tout le temps, d'accord? Et puis Joël et Luc, tu vas leur dire d'arrêter de jouer les Sherlock Holmes et Watson, hein? Bon Jérôme, moi aussi j'ai quelque chose de très important à te dire. Alors écoute-moi. Quoi? Justine est revenue. Quoi? Mais oui, t'as bien entendu, Justine est revenue. Elle est à la maison, elle est revenue des États-Unis. Elle est bonne, hein? Bravo, bonne comédienne. Non, non, écoute, Annette, hein? J'ai failli marcher, mais il m'en faut un peu plus quand même. Jérôme, moi non plus j'ai pas voulu y croire au début, mais c'est vrai, elle est rentrée, elle a voulu nous faire la surprise. Annette, je t'ai dit que je marchais pas. Jérôme, je t'assure c'est vrai. Oui, c'est ça, ouais. Puis Joël est parti faire du ski à Tombouctou. Bon, Annette, t'es gentille maintenant, hein, j'ai autre chose à faire. Jérôme, il faut absolument que tu me crois. Bon, écoute Annette, je serais bien restée toute la journée avec toi pour écouter ce que tu étais capable d'inventer, mais là tu vois, Géraldine m'attend. Salut, à bientôt. Jérôme. Ah, Justine. Tu peux pas savoir comme je me sens mieux. J'ai tellement rêvé de cet instant. Pourquoi t'as prévenu personne que tu revenais? Mais parce que je voulais te faire une surprise. Tu sais, au début, je devais passer mes vacances là-bas. Puis mes parents me manquaient, Chloé aussi. Puis toi, surtout toi.
Toi aussi, tu m'as manqué. Tu sais, Jérôme, je voulais m'excuser parce que j'ai douté de toi. Tu sais, quand Isabelle m'a dit que t'étais avec une autre fille, je sais pas ce qui m'a pris et... Justine... Oui? Pour être tout à fait honnête, Isabelle s'est pas vraiment moquée de toi. Quoi? Ben oui, j'ai rencontré une fille et... Non mais c'est... Non mais attends, il s'est rien passé. On a failli, mais... Oui, et puis au dernier moment, tu t'es souvenu que j'existais, c'est ça? Ouais. Ah bah c'est de mieux en mieux. Non mais écoute, il s'est rien passé, j'ai pas pu. Et moi qui croyais que tu m'attendais bien sagement, non mais vraiment, quelle cruche j'ai été. Faut pas dire ça. Je pense toujours à toi. Regarde, ta photo est toujours là. Oui, c'est pour te donner bonne conscience. Mais pas du tout, puisque je te dis qu'il s'est rien passé. Oui, mais t'as failli. Faut me comprendre aussi, moi je suis tout seul. Regarde, il y a Virginie et Luc, il y a Annette et Joël, même Odile et Bernard, tiens. Puis moi... Toi t'en avais assez de tenir la chandelle, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Puis Géraldine était sympa. Et... Oui, et puis t'as un garçon. Bah oui. Tu m'en veux? Je vais pas te dire que non. Mais moi c'est toi que j'aime. Mais d'un autre côté, je peux pas t'empêcher de regarder les jolies filles. Justine. Puis, de toute façon, ça m'empêche pas de penser à toi. C'est vrai, ce mensonge? Ouais. Qui c'est? Ça doit être Annette. Elle a monté un centre d'observation dans les toilettes. Ah bon? Ouais, je t'expliquerai. Ouais, j'arrive! Attention, Justine! Enfin, Bernard, ici, t'arrives? Il faut que tu me caches, Jérôme. Ben pourquoi? Odile me suit partout. Je sais qu'elle viendra pas me chercher ici.